J'aimerais qu'on se foute pas de la gueule de ma super ambiance Jacques Martin, s'il vous plaît. Je me suis dit que c'était pas mal pour le petit style un petit peu réception de l'ambassadrice. Voilà, bonsoir. Oh, ça a l'air de laguer un petit peu. Alors, écoutez, je me mets en place, ça va être le bordel. Je sens, je ne sais pas pourquoi, et autant je vous aime d'un amour profond et sans limite, mais je sens vraiment que ça va être le bordel. Alors, bonsoir Jimmy le Cultiste, bonsoir Nosferical, bonsoir Kazumi, bonsoir T-Pudding, bonsoir Mad Monkey, bonsoir Koala, bonsoir Weird Gash, bonsoir Nissana, bonsoir Petit Calix, je sais pas si j'avais dit, bonsoir Laïta, trop contente de te revoir. Et qui a-t-il d'autre? Bonsoir Neftis, voilà, et qui j'oublie? Qui veut une tartine de phalange? Très bien, c'est bien, j'aime... Bonsoir Dorian, j'aime quand vous êtes comme ça. Bozdik est là, fantastique, incroyable. Bonsoir Souris de Coton. Bonsoir Singfu. Bonsoir Rufus. On m'a dit de venir, mais on m'a pas dit pourquoi. Mais putain, mais vous êtes... vous êtes tellement organisé. Pas d'excuses sur la technique. Non, non, mais je sais pas, dites-moi. C'est juste que moi, dans le retour caméra, c'est pas ultra fluide. Bonsoir cannibalisme, ça faisait longtemps. Bah écoute, oui. Je sais pas ce que ça... Et ben bonsoir Mini Steph, merci pour le follow. Vous allez bien? Ah là 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 là. Elle confie son stream au chat, ça tourne mal. Non mais... Ça va le retour cam... Non mais voilà, de toute façon... Tout va bien, ok. Ah bah bonsoir Jiben, je ne t'avais pas vu. Pas de l'âge. Est-ce que c'est un jeu de mots eu égard à mon anniversaire, c'est ça? J'ai vu de la lumière, je suis rentrée, mais écoute, Bobo, tu devrais faire ça plus souvent, tu nous manques. Voilà, alors je sais pas, qu'est-ce que vous avez dit? Tout le monde a bouffé les petits fours. C'est vrai qu'au final, ça fait très ambiance... ambiance petite réception peinard. Donc voilà, pas de film de Max Pécasse, non, bien sûr que non. Bonsoir, Lou. Tu n'arrives pas à avoir de son. Ok, très bien. Oui, non mais, Kazumi. Je laisse le temps aux gens d'arriver. Calme-toi. Tout va bien se passer. Bonsoir mes choux. Parce que j'ai passé une bonne journée d'anniv, extrêmement bonne. Bien sûr, Jiben, ouais, tout à fait. Je suis en vacances, hein, moi, donc il n'y a pas foncièrement de mauvaise journée. 50 ans, ça se fait avec du Jacques Martin. C'est pas du Jacques Martin, putain, les gars. C'est la BO de... Enfin, de The Fog. De la radio de Fog. Je suis en feu dans mes Kazumi. C'est presque du Captain Obvious de dire ça. Je te sens dans les starting blocks. Putain, un Buzzdig roule sur Jamie Lee Cultiste. Mais c'est pour mon anniversaire que vous faites ça. C'est le plus beau des cadeaux. C'est du Christian Morin, la musique. Putain, mais... ça va être cool. D'ailleurs, est-ce que le volume est bon? J'attends juste le top départ. Écoute, Kazumi, t'inquiète. Il est 21h05. Ça va devenir a dirty. Ouais, est-ce que ça va le volume de la musique? Parce que j'ai peur que ce soit un petit peu fort parfois. Je sais pas, vous me dites. Nickel pour le son. Bon, bah très bien. On a dit en stream bordélique, arrêtez de vous organiser. Non, mais c'est ça, hein. Tu m'entends, Lou? Putain, fantastique. Ah là 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 là. Il nous manque du monde encore, les guests. Qu'est-ce que vous avez préparé? Bonsoir, Fab. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Merci pour mon anniversaire. Vous êtes chou. On peut avoir une vraie musique, mais en fait, j'avais prévu que ça... Parce que figurez-vous que j'étais pas très en avance. Parce que comme j'avais rien à préparer, et ben, je sais pas, je me suis sentie un peu à l'aise. Et là, je me suis dit, oh, c'est l'heure. Donc, j'ai pas préparé ma BO. Enfin, peut-être que je peux vous trouver ça quand même, hein. Mais ça va pas être... Bon, on s'en fout, de toute façon, on est à l'arrache. Je m'en fous, c'est mon anniversaire. Cassez pas les couilles, hein. J'ai entendu que Michel était un guest. Bah écoute, Buzzdick, ouais. Elle est très bien, la musique. Bah voilà. Bah alors. Michel Forever va passer, c'est lui la guest. Oh là là. Bon, on est bien, là, on s'en fout. Bonsoir, Mexila, voilà, il est là. J'aurais aimé avoir mon bubble tea avec moi, mais j'ai déjà tout bu.
c'était délicieux. Étant donné que j'ai décidé de ne plus boire que ça, c'est devenu ma boisson officielle. Avec le projet, à cause ou grâce à Petit Calix, de faire un bubble tea à l'agneau. Voilà. L'idée a popé dans ma tête et Petit Calix a dit que c'était pas si mauvais comme idée. Et bonsoir Osmosis ! Ah là là ! Ça annonce le meilleur truc sur Twitch ever. Non mais, calmez-vous, par contre. Comment tu fais les bubbles? Bah Neftis, je les achète, c'est des boules de tapioca en fait. Et tu les fais cuire une vingtaine de minutes dans l'eau. Bubble tea à la jonçade de chez nous, voilà, tout à fait, absolument, ouais. Je fais une jonçade de billes de tapioca en fait, finalement. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment cette sensation que vous êtes vraiment tous ultra au courant et tous vous êtes concertés et moi, pas du tout. Ouais, le bubble gnôle, bah ouais, c'est pas une si mauvaise idée que ça. Enfin, si, bien sûr que c'est une mauvaise idée, mais dans le sens où ça peut se réaliser. Bubble tease, oh là là, bien joué. Moi sinon j'avais pensé à l'Irish Bubble Coffee, mais pour ça, pour de vrai, je pense que c'est une bonne idée. Oui, c'est un peu le principe que je sache rien, je sais bien mes choux, mais je... voilà, je trouve ça fantastique. Le nombre de private jokes dans cette commune me donne le vertige. C'est pas de ma faute, ils se débrouillent hein, après, moi je... J'ai planté la graine et maintenant... Non mais à fond l'Irish Bubble Coffee. Hein. Avec toute chose que ça veut dire, la fin du Discord dissident, hein? Bah oui, alors parce que bon, ça, faut savoir quand même du coup que ça veut dire que vous avez un autre Discord où vous vous êtes organisé sans moi et ça me fait un peu mal au cœur. Donc... Ah putain, Lou, je crois que ton autocorrect est revenu avec toi. Le private show. Ah là là, tu nous as manqué. Il devient pas le Discord Dwayne. Putain, mais arrêtez. Donc, bah ouais, les règles. Parce que moi, je sais pas, en fait. Bonsoir, Gouffeux. Ça en a profité pour mal parler sur le Discord de l'ombre. Putain, mais j'ose même pas imaginer, quoi. Allez, Kazu, c'est à toi, lance-toi. Annonce-moi déjà les règles, dans un premier temps. Après, on va voir pour la logistique. Parce que je vous le dis, ça va être le bordel. Hein. Étant donné que j'avais pas le droit de voir les images avant, bah du coup, on va les avoir au compte-gouttes. Et je sais toujours pas de quoi ils retournent, donc... Ah ouais, d'accord, ok. Donc ce soir, c'est vous qui mettez les points, très bien. Quelqu'un... Bah, il y a quelqu'un qui sait. Normalement, Kazumi a préparé le truc. Bonsoir, Antibuno. C'est pas grave. Tout va bien. Ça n'a pas commencé. Mais Kazumi, il a explosé en plein vol. Trop de stress. Et il est en train de se dégueuler dessus, quoi. Oui, c'est moi qui devine, a priori. C'est ça. J'écris pas de panique, ok. Non, mais parce que t'avais l'air d'être tellement à fond... que je m'attendais à ce que, limite, le texte soit déjà prévu. Faut laisser Cartas s'expliquer pour la moumoute, hein? Bonsoir, Nef. Pas de soucis. Quand il est content, il vomit. Ça suffit de parler des parties intimes de Cartas, on en sait trop maintenant. Alors, je t'envoie des photos des gens du Discord et tu devines qui c'est. Il y a 3 indices par personne et tu as le droit à un essai après chaque indice. Mais tu peux essayer une première fois sans indice, ok. Très bien. Alors c'est des gens, c'est des photos des gens. C'est-à-dire que, parce qu'au début on avait dit que leurs mains. Du coup c'est juste les photos des gens. Quatre essais possibles, ok, d'accord. Bah je sais pas.
Moi, je je peux pas spoiler, je suis pas censée être au courant. Mais c'est juste que c'était parti de là, alors du coup, je suppose... Mais c'est surtout que ce serait trop facile, puisqu'il y a certaines personnes dont je connais déjà la tête. Donc 5 points sans indice, 4 avec un indice, etc. D'accord. Bah, je... Non, mais chou... En fait, je sais pas, c'est juste que moi, en fait, vous me dites que vous m'organisez un truc. Évidemment que j'ai demandé à personne, personne m'a rien dit. C'est juste que, légitimement, j'essaye de deviner. Donc, voilà. Je suis trop balèze, j'ai déjà deviné le truc, quoi. Je connais la tête de certaines personnes. Bah, je sais pas, vous avez mis vos photos sur le Discord, alors, bah, pardon. Mais je reconnais vos têtes après, du coup. C'est-à-dire que... Ben non, mais... Il y a des gens que j'ai littéralement rencontrés en vrai aussi, donc oui, je connais leur tête. Sorcière. Witch. Toi, t'as pas mis de photo, Buzzik. Non, on a juste évoqué des ressemblances, mais j'avoue que ça ne... Ça ne... n'aide pas beaucoup. Comme Gaïn qui cherche ses cadeaux avant Noël, c'est clair. Et Kazoo, il en peut plus. Ok, alors attendez. Du coup, non, parce que ça va demander une mise en place pas possible. Donc on passe en layout Screaming Skull. J'ai un classeur avec les photos de tout le monde. Non mais attends, c'est que j'ai rencontré quelqu'un, une meuf avec qui je bossais, qui prenait des notes... De tous les trucs, de toutes les anecdotes qu'on racontait sur nous, même sur notre signe astro et tout. Et elle avait un carnet où tout était noté dedans. Et c'était ultra flippant, quoi. C'était vraiment genre, ne faites jamais ça, quoi. Alors, est-ce que vous êtes chaud, Melun? Je vous entends pas, Saint-Étienne. Moi, je connais la tête à Jamie, ce vieux goth, on sait qu'il met plein d'eyeliner et tout. ok. Cette meuf est une série elkileuse, ouais, tout à fait. Alors, donc faut que je me remette... Putain, cette musique, quoi, c'est... C'est étonnant, hein. Eh bah, écoutez, on se lasse pas. Elle a Alzheimer, peut-être? Non, tu pudding, non, non, non. Elle est juste timbrée. Cette meuf, c'est moi, Nissana, attention, plot twist incroyable. Ok, ben, Kazumi, on voit la première photo. Alors que nous sommes en total mode Louis XVI. Coucou Cartas! Ça y est, Cartas est là! Fantastique! Oh, putain, ça va être chaud! Alors attendez, hop! Je trouve ça fantastique! J'aime beaucoup ce jeu. Je sens que je vais être extrêmement nulle. Alors. Attendez. J'enregistre l'image. Je suis désolée. Hein. Ça va être ça. En plus, mon ordi est pas d'une rapidité incroyable. Et il va falloir que je fasse un fichier photo pour ça exclusivement. Alors. Hop. Voilà. Ahoy, mateys. This is Stevie Wayne, your nightlight. Alors, maintenant c'est parti. Hop. Je suis désolée, hein, je peux pas vous lire en attendant. Donc, comportez-vous bien. Soyez mignons les uns les autres. Jouez avec vos camarades. C'est un petit peu lent. Mais heureusement que j'ai pas... heureusement que j'ai pas eu les photos avant, parce qu'en fait, de toutes les mettre, je pense que c'est surtout le fait de comparer certaines à d'autres et de me dire, genre, j'aurais pensé que ça, c'est la main de quelqu'un, et en voyant une autre main, en disant non, c'est peut-être plutôt celle-là, et voilà. Sachant que, encore une fois, c'est pas parce que j'aime les mains que je suis à même de deviner à qui elles sont, quoi. Hein. Voilà, alors, c'est ça la première main. Alors attendez, je vous mets ça un petit peu mieux. C'est fantastique, on dirait
On dirait des screens de films. Alors, ce qui serait franchement très drôle, c'est que j'en réutilise après pendant le screening skull. Hop, voilà. Donc ça, c'est pour la une. Voilà, alors attendez, je remonte. Qu'est-ce que vous avez dit? Ce live de la non-préparation, bah Mad Monkey, c'est normal en fait. J'étais pas censée avoir le droit aux photos. Rondo Veneziano. si on propose Kazoo à chaque photo, on aura bon au moins une fois. Bah ouais, mais non. Tu pourras faire ce que tu veux de ma photo. D'accord, très bien, petit Calix. Du coup, on joue aussi de notre côté, c'est plutôt cool. Bah oui, absolument. Mais par contre, je sais pas, vous avez peut-être pas le droit de proposer à l'oral, quoi. Je balance ça sur cette trompette sexy, c'est clair, Calix, de tout ça. Ça rame tant que ça? Bah non, mais Kazoo, ça, c'est pas que ça rame, c'est mon ordi juste qui est comme ça. Cette main de pro, alors, belle lumière, non, effectivement. Une main en fort belle 3D, tout à fait. J'ai voulu écrire musulman, je suis bourrée, ok. Une main giallo. Alors, qui sait alors, est-ce que... c'est pas une demande d'indice sur cette photo-là. Mais est-ce que, dans l'absolu, avant même de commencer et tout, est-ce que vous avez glissé potentiellement des indices dans la posture, ou dans la tenue, ou dans la couleur, un truc qui pourrait éventuellement m'aider? Parce que... je trouve ça trop bien. Cette main veut nous choper la gueule, c'est clair. J'aime beaucoup le petit effort de fond noir et tout. Ok, d'accord, Kazumi. Alors, pas tout le monde. Très bien, parce que, en fait, c'est surtout... absolument pas de ton côté, Tifouding. Peut-être, ok. Putain, vous êtes chiant, parce que du coup, si tout le monde a pas eu le même... la même fiche technique, le même carnet de route, on va dire... Peut-être, peut-être pas, évidemment. Pas d'indice en ce qui me concerne, Mad Monkey. Putain, mais c'est chaud parce que... En fait, le truc, c'est qu'en plus, autant j'aurais vu vos têtes... Enfin, j'aurais vu les têtes de tout le monde. J'aurais pu imaginer plus facilement les mains. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que... C'est compliqué parce que là, du coup, ça implique de... De juste deviner... ben, random, quoi. Vous êtes chiant. Non, non, mais... Vous êtes chiant. J'ai dit, je sais plus à qui j'ai dit, que je vous aimais quand même. Ça allait être le bordel, mais que... Pas de carnet de route avec des skills en photo bien différents, ok. C'est génial. J'aurais trop aimé participer. Je suis très triste. Ok, la seule demande, c'était envoyer des mains pour Dolly. Vous êtes trop chou. C'est trop bien, mais c'est trop une bonne idée, en fait, en vrai. Hein. C'est vrai qu'en fait, on avait un peu déconné là-dessus. Eh ben... Ah, je sais pas. Je pifferais bien la main de Cartas. Parce que de toute façon, au pire, après, j'ai un indice. Donc autant essayer sans indice d'abord. Mais... Vous êtes des gros ponts. Mais bon, je suis patiente. Ah voilà, c'est à toi que j'ai dit ça, Calix. Je reconnais ses mains, c'est celle de Jean Valjean. Non mais ouais, donc je dirais peut-être Cartas. T'aurais aimé faire une photo aussi stylée. Ok, donc c'est pas toi. Ok, alors... Le premier indice est moniteur. Moniteur. Mais alors, est-ce que... Question. Est-ce que c'est censé être des indices qui peuvent m'évoquer quelque chose sur des trucs que je sais, ou que j'ai su, ou que je peux savoir? Et bonsoir, Style Child Rocks. Oh putain, je vais y arriver. Style Child Rocks. Putain, je le dirai qu'une fois. Et je t'appellerai Style. D'abord dur, puis moyen, puis facile. Ok, très bien. Bah, Calix, c'est facile de reconnaître mes mains. Pour le coup, question, est-ce que les indices peuvent m'être utiles?
Non, mais en fait, c'est plus dans le sens où. Enfin, est-ce que c'est un truc que je sais, quoi? Parce que là. Ben oui, non mais. Je sais, non mais. Hey, c'est juste que je dis ça parce que moi, je suis habituée à mes indices tout pétés, quoi. Donc. Est-ce que les indices sont censés m'évoquer quelque chose? Est-ce que vous êtes con ou est-ce que vous faites les choses à peu près pas mal? Moniteur. Vous allez me détester après, vous allez vous rendre compte que je vous écoute jamais, que j'en ai rien à foutre de vous en fait en vrai. Ouais, c'est clair. Non mais alors là en plus c'est compliqué parce que je suis toute seule à deviner. On a bossé nos indices, non, c'est clair. Mais vous préparez ça depuis combien de temps d'ailleurs? Tu es sur les Discord avec nous, tu lis les mêmes choses que nous, tu es censé nous connaître. Alors oui, je lis pas tout non plus. Ben, en retour de bâton, c'est censé être un jeu. 150 ans. Des années d'entraînement sous une cascade. Putain, mais vous avez bossé le truc, quoi. Ça fait 2 mois que vous êtes là-dessus. Ok. Moniteur. J'ai pas encore trouvé, mais non! Et en plus, Kazumi me dit non, mais moi je pense qu'on passera 5 minutes par image et ça ira. Cette musique, bah, putain, je suis désolée, moi ça me fait un peu marrer. En vrai, on a tout fait cette semaine. Ok, très bien. Moniteur. Petite musique d'attente. Je sais pas, est-ce que j'ai le droit à un deuxième indice? Je suis super nulle. Je sais pas, en plus, moi, le travail de tout le monde et tout. Moniteur, camping. Ben non, mais. En fonction des points qu'elle aura à la fin, elle aura droit à des trucs ou pas. C'est ça, ou des gages. Moniteur. Ah, j'ai droit à un essai. Ah oui, alors si, autre truc. Autre truc qui serait intéressant quand même à savoir, c'est est-ce que je peux avoir, enfin, avoir une liste des personnes qui ont envoyé leurs photos? Enfin, parce que en fait, voilà, je pif, mais si ça se trouve, je pif des gens qui n'ont même pas participé. Enfin, bon, si, potentiellement, si vous êtes là, c'est que vous avez participé, mais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu compliqué parce que là, en fait. Enfin. Ah bah non, mais une liste, pas. Bah si, bah quand même. Vous êtes chiés, on est quand même. On est quoi? On est 60 sur le Discord? Bah non, mais. C'est compliqué quand même. Je sais pas. J'essaie qu'il y a 20 images a priori. Donc. Bah non. Pas les noms sous les photos, mais. Rivière sinistre avec de l'eau. Ouais, c'est ça. Très niche cette remarque. Non, mais Dorian, ça passe. Alors, Méchou, peut-être? Ah là là, on est bien tous ensemble. On s'en fout si je devine pas, de toute façon. Moi, je passe toujours un beau moment avec vous. Ben non, mais Osmosis, quand même. D'ailleurs, en plus, alors, non, effectivement, on me demande pas de liste. Mais, en revanche, Reine, putain. C'est trop facile maintenant. Mais vous avez mon sens critique qui est à dispo quand même. Donc Meshu, c'est pas toi, ok. Reine, bah ça veut dire que c'est Onsibuno? Il n'y a pas 36 possibilités en même temps dans ces cas-là. Enfin. Il y a plusieurs possibilités, mais. Tous les Rénois du Discord. C'est celui auquel je pense en premier. Mais c'est vrai que finalement, la lumière aurait dû me donner un indice. Parce que c'est une très jolie photo. Stylée la petite main d'Annecy. Eh ouais!
On n'est pas censé être des sacs à merde à fureter sur ton sens critique. Bah, Weird Gash, il y en a qui furtent sur Google et sur Daily Wikipédia, donc je gagne la voiture et les cadeaux. Oui! Pop, pop, pop! Voilà, bien joué. Bah, écoute, merci. GG la lumière, non mais grave, à fond, carrément. Il la file en premier pour que vous ayez tous la honte après, non mais... Mais non mais... c'est pas... Oh putain, vous allez vous vexer, vous allez être intenable quoi. Bah non mais c'est parce que c'est quand même ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait bien. Bah non mais c'est vrai, tu t'es fait chier, ça, je... GG. Mais non, c'est pas la victoire qui compte. En plus, j'ai déjà vu tes mains. Bah oui. Mais tu vois, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que je vous rappelle que je fétichise des mains, mais ça veut pas dire que je les devine très bien. Ça ne veut rien dire. Allez, on enchaîne. Vas-y. Envoie-y l'autre. Fais péter. Je me suis fait chier ou alors c'est un recadrage d'une photo d'il y a 3-4 ans. Bravo, bravo. Alors... Voilà, j'enregistre la deuxième photo. Petite musique porn 70s, ouais, je suis désolée. Porn chic, non mais c'est ça. J'aime bien cette petite ambiance. Oula, très 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 grande photo. Beaucoup beaucoup de violence dans ce format. Hop, pardon, désolé. Hop, là. Vous avez vu cette technique? Est-ce que c'est pas un peu incroyable? Ça vous fait pas un peu rêver tout ça? Hop là. Alors... Voilà, je centre un peu le bordel. Hop, et je verrouille. Alors, qu'est-ce que vous dites? Porn chic, voilà, tout à fait. Combien j'ai de points? J'ai 3 points. Voilà, ambiance souris de ce soir, en compagnie des mains. Voilà, tout à fait. Moi, je trouve ça génial comme musique, voilà. Ah ouais. Une bougie, voilà, tout à fait. Grosse résolution, ouais, tout à fait. Ouais, on est sur une prise de risque intense. The Devil's Hellraiser 3. Ouais, alors. J'ai un an ce soir. Tout à fait. Ah putain, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, votre travers. La flamme du vignoble. Ah, je sais pas. Il faudra prévoir un truc spécial pour les 1 an de la chaîne Twitch. On n'y est pas. Je sais plus trop quand c'est. Elvis, 7 ans. Je sais plus quand c'est. Putain, mais il n'y a pas d'indice, quoi. C'est-à-dire que c'est compliqué de piffer en premier comme ça.
Et les indices sont tous... ouais, c'est volontairement difficile, à peu près facile et facile, quoi. Bah, un indice de base, non, je peux essayer déjà de deviner, mais là, c'est vrai que... Enfin, en fait, de prime abord, il n'y a rien qui m'indique que d'elle, quoi. Donc c'est juste du pif, genre... Bah, J-Bed, ouais. C'est-à-dire que, bon, il y a toujours l'indice que ça vient d'un film, déjà. Mais après, vous semblez plein de rancœur envers moi, genre « Ah bah t'as vu, maintenant c'est pas facile !» Ne venez pas, sinon. Ne participez pas au jeu si vous trouvez que c'est trop dur. Ah là là, vous êtes mignons. Bah oui, Kazumi, ça sera peut-être plus facile. Toi, tu sais qui c'est, non, mais petit Calix. Cimer. L'indice, c'est que ça vient de quelqu'un du Discord. Bah, putain, merci, Woody. Merde, gâche. Super. N'hésite surtout pas à être un gros con. Ça vient d'un film italien avec des acteurs connus, c'est clair. Ah, c'était quoi le prochain indice pour Onsibuno, ouais. Ah bah, c'est Koala. Putain, j'ai failli la piffer direct, quoi. C'est ça? Ou pas? Bah ouais, bêta, mais j'ai failli... Oh putain, j'aurais dû tenter quoi, parce que j'étais sûre. D'instinct. Bon non, elle est pas trop forte quoi. 21h30, j'ai déjà mon gros con. Mais Weird Gash, tu cherches. Ah, je suis pas complètement une merde non plus. Ça veut dire que j'ai combien de points, hein? 4, 5, 6, 7 points. C'est ça? C'est donc ça le légendaire pouvoir du fétichisme. Peut-être, peut-être pas. Cool! Surtout que je ne sais pas pourquoi je joue en fait. Pourquoi je gagne? Je suis déjà trop dans la gagne. J'aurais dû dire ce film, mais c'est clair, mais tu vois, Cartes. Go pour le 3, ouais. Vas-y. Faut quand même que je piffe un truc à chaque fois. Je gagne des nudes demain. Bah, je les ai déjà, du coup, ben... Hop. Oui, on devrait peut-être me donner tous les indices, ouais. Non, Kazu, pas d'indice. Pas d'indice, je vais quand même essayer de deviner moi-même. Hop. Oula, alors attendez, là c'est en fat résolution également. Oh yeah. Alors, ça c'est bon. Il y a du level, je comprends même pas les indices. En basant ma tête est bridée, bah oui, mais... alors. Hop. Ouais, encore beaucoup de violence dans le format. Alors, hop. Sexy. Absolument. Alors, on a fait des photos de grande qualité. Oui, le dernier indice pour Onsibuno, c'était photo, ok. Koala, c'était Australie et couture, ok, très bien.
Alors, direct comme ça, eu égard à la nature, je dirais peut-être Laïta. En plus, Laïta m'a déjà envoyé une photo de ses mains, mais j'ai fait exprès de ne pas re-regarder volontairement parce que je voulais pas, m'influencer. Mais je pifferais ça. Je sais pas si c'est pertinent, mais c'est ça. Trop cool. Bah oui, facile. C'est cool. Il peut y avoir un ou deux ou plus de photos de personnes qui ne sont pas sur le Discord. D'accord. Ok, petit Alix. Bah oui, mais encore, je sais pas qui. Comment tu veux que je devine ça, du coup? Bah, 5 minutes par photo max, ça dépend, quoi. On va finir à 22h. Oh, il est 21h38. Ça laisse du temps. Gentillesse, lecture et ange gardien. Tout à fait. Je pense que gentillesse, j'aurais trouvé direct aussi, mais là, je savais déjà que c'était elle. C'était Laïta. Ça reste des gens que je connais. Oui, non, mais bien sûr. Je pense. 12 points. Oui. Enfin, en fait, alors, ce que j'apprécie quand même, c'est que j'ai absolument zéro concurrent, quoi. C'est pas chiant. Je crois que la musique s'est arrêtée. Je sais pas. Alors, attendez. Ah ouais, c'est ça. Je la remets, hein. Parce que je sens que ça vous met dans un mood... Quand je veux pour la 4. Ok. Ça, c'est le voisin de Ticalix que tu connais pas. Son voisin chelou qui a une tombe dans son jardin. Go, c'est parti pour la quatrième. C'est ça, je suis première, deuxième, avant-dernière, dernière. Voilà, tout ça en même temps. Toutes les femmes de ta vie en moi réunies. Voilà, tout à fait. T'as combien de poids, mes choux, pour le moment, du coup? Est-ce que vous avez deviné... Mais non, mais est-ce que vous avez vu les photos des autres, vous aussi? Parce que peut-être que vous les mettiez sur... sur le Discord. Je me demande quelle est la photo de Calix, perso, c'est clair. Est-ce qu'il y aura une photo du vrai Calix? Est-ce qu'il y aura une petite patte de chien? On fait un jeu où je suis forcément gagnante, mais c'est clair, Cartas. Trop bien. Alors... Quelqu'un qui joue de la guitare, attention! Alors... Bah ça se poil. Je suis désolée. Je... Alors... Désolée, encore le temps de la mise en place, hein. J'ai une photo de Patoun. Bah oui, j'ai une photo de Patoun que tu m'as envoyée, moi, mais... Encore beaucoup de qualité. Ah, alors, attendez, j'ai pas mis... Hop. Voilà. Tac. On fait monter la hype en attendant. Hop, j'essaye de vous centrer ça comme... pas comme un sagouin pour changer. Non, mais là, je... Oh, pardon. Ok. Bon, alors, un guitariste, incroyable. Je sais qu'il y en a plusieurs sur le Discord, donc c'est un peu compliqué. L'année prochaine, on vous prendra des photos des mains de statues. Faudra deviner quel sculpteur. Ouais, franchement. Alors, qu'est-ce que vous dites? Je suis désolée, je remonte un peu. Ah, les photos. Ah, d'accord, ok. Les photos t'étaient envoyées en MP. Très bien. Suite à des ratés, mais normalement non. Ok, très bien. Il est possible que je l'ai. Alors attendez, vous êtes en train de piffer des trucs. Bon alors, nécessairement, d'emblée, je dirais Bernard, parce que c'est le plus facile à piffer en guitariste sans indice.
Alors, est-ce que c'est ça? Bernard Minet. Au grand temps du ACDC. Entendez Hell's Bells au loin. Mais c'est vraiment Bernard. La guitare aussi était un indice, mais... Tu l'avais aussi, Osmosis. Non, mais Nissana, y a rien. Là, y a pas de... Enfin, y a pas de challenge. C'est facile. Guitariste, bonsoir, sosie. Ils sont parfaits, ces indices. Bonsoir. Grave. Bah, guitariste, alors franchement, par contre, si je puis me permettre, en indice difficile, guitariste, alors que le mec nous a fait des solos sur le Discord, ah, Bernard, tu tombes à pic. Violonneux. Le violonneux Michel. Non, c'est quoi? C'est quoi son nom au violonneux, là? Ah, en indice facile, ok, d'accord, très bien. Mais les solos sur le Discord, mais grave. Non mais Bernard, de toute façon, il va falloir que tu nous refasses ça. Bernard, je t'ai trouvé. Je passe en scrude. Mais tu passes à point nommé. Le violonneux Daniel, c'est ça, c'est pas Michel. Quelle angoisse, cette vidéo. Difficile, moyen, facile. Ok, Kazu, merci. Nickel. Au bon moment, comme d'hab. J'ai combien de points, là, du coup? Dites-moi. Et en fait, ça me réjouit juste d'avoir des points. Je sais que ça ne me rapportera pas forcément quoi que ce soit, mais je suis très contente. C'est très bien. Go pour la suite, ouais, 17 points, wouh! Allez, c'est parti! 170, merci Koala. calmez-vous. Là, ça commence à se voir. Ouais, c'est clair, je profite des points. Je suis ravie. Je comprends pourquoi vous vous battez si fort au quotidien. Enfin, au quotidien. Une main tatouée. Est-ce que je sais à qui c'est, ça? C'est une très jolie photo, d'ailleurs. Encore une fois, avec ce côté très smooth de la musique. Très envie d'animer une émission à la Macha Béranger, moi, maintenant, avec cette musique-là. J'ai envie de vous parler tout doucement. Hop! Voilà, on voit comme ça, vous la voyez en gros. Et après, on va l'adapter un peu. Swagman! Putain, il n'y a pas de respect, quoi! Hop là. Bonsoir King Boo. Voilà, donc pour la... Merde, pardon, c'était pas là-dessus que je voulais appuyer. Macha Béranger, encore une ref old school, ouais, c'est clair, carrément. Ouais, la photo est très jolie. La photo est très jolie. Et je suis pas sûre que... Bonsoir Ashram. Je suis pas sûre que ce soit en tout cas une main que j'ai déjà vue, parce qu'une main tatouée comme ça, je m'en rappellerai, peut-être. Ouais, pour que je fasse machin, j'ai encore quelques paquets de clopes à fumer, et comme j'ai arrêté de fumer, bah du coup, c'est un peu mon mauvais timing. Voilà. Ou je pourrais le faire qu'en lendemain de teuf, en fait. Ce serait très limité. On a vu que j'étais pas extrêmement efficace en lendemain de soirée, donc encore désolé hein, pour le live de qui êtes-vous Polymagou. Voilà. Heureusement, tu peux me donner des indices. Non mais bien sûr, Kazumi, mais j'ai quand même envie de piffer un truc. Fait un truc sans savoir du tout.
Putain, mes lunettes sont complètement de traviole. Après, si c'est du henné, peut-être que c'est pas un tatouage qui existe encore. Ouais, c'est possible. Après, un henné aussi fin que ça, peut-être que ça existe. Après, j'avoue que je connais pas le henné, mais je trouve que c'est très fin et ça ressemble pas à du henné, mais peut-être. Pif, allez, bah ouais, je sais pas. C'est du stylo Bic, ça. Ah ouais, mais ça pourrait. Enfin, comme c'est une photo noir et blanc, ça peut éventuellement aussi être un truc fait, genre juste pour l'occasion de la photo et me mettre le doute. Mais là, je commence à aller trop loin, quoi. Je sais qui c'est Jamie Lee Curtis. Il fait ça avec son petit eyeliner. Maintenant, j'ai cette image que vous avez mis, Lou. Du rêve qu'elle avait fait, c'était génial, quoi. C'était vraiment, c'était parfait. Tu nous manques beaucoup, Lou. Mais non, mais Weird Gash, je sais. Mais dans le sens où le fait qu'une photo soit mise en noir et blanc, souvent ça modifie un petit peu le rendu. C'est-à-dire que quand tu sais du stylo Bic, c'est-à-dire qu'en plus, ne serait-ce que la couleur d'un tatouage, c'est pas du noir stylo Bic, quoi. Donc du coup, voilà. C'est pas du tout moi, ça, non. J'ai pas de tatouage sur les mains. Pas encore. Est-ce que... Je pense que c'est du crayon à papier. Du crayon gris, tu veux dire. Je n'ai pas relevé de toi. Rêver. Putain, Lou, ton autocorrect. Re-rêver, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je piffe? Petit pudding, peut-être? Est-ce que ça pourrait être petit pudding? Là, j'ai vraiment aucune idée. Ah non, mais ton autocorrect, Lou, c'est génial, quoi. Striptease. Striptease. Striptease, genre l'émission. C'est con parce qu'avec avec cet indice-là, j'aurais redit Tea Pudding parce que elle a fait des photos pour une troupe de burlesque, il me semble. Enfin, je crois quelque chose comme ça. Quelqu'un a fait un strip à Dolly sur le Discord. Non, mais c'est en train de prendre des proportions. J'ai des entrées. Maintenant, les gens essayent de me soudoyer. Le doux son du chat dans sa litière, tu l'entends, Osmosis? Moi, je l'entends pas avec le casque, mais... Striptease. C'est pas toi, à part si t'as oublié. Ok, Tea Pudding. Ok. La stripteaseuse du vignoble maudit. Putain, mais... J'essaye. En plus, c'est compliqué de penser... C'est pareil pour les films, du coup, pour vous, quand vous faites le... Quand vous faites le screening skull avec moi, mais... Mais c'est difficile de penser à tout. À tous les gens, du coup. Je le repère, j'ai l'habitude d'être fébrile quand j'entends ça. Oh, Osmosis, moi ça va, hein. c'est pas trop l'enfer. Striptease. Alors là... Tu l'as, Lou? Putain. Il est pas très discret, non. Attendez, je regarde discretos sur le Discord, les gens. J'ai le droit de faire ça, éventuellement, parce que... Oh,
Attends, faut que je regarde les gens qui sont pas forcément... qui sont pas en ligne. Est-ce que... Alors... Oh, cette main tatouée, c'est pas Lola Jane? Est-ce que c'est ça? Ou pas? C'est ça? Ah, cool! Trop bien. Cool. Je l'avais vu sur son Instagram, il me semble, et que je l'avais trouvé très joli. J'aurais dû faire le lien direct, mais... Tu l'avais pas, en fait, Lou? T'avais qui? Striptease, Diable, Québec. Ok. Très bien. Eh ben, cool. Cool. Trop bien. Mais ouais, du coup, là, j'ai eu un flash, en fait, en me disant que j'avais déjà vu une main tatouée ici comme ça sur un de ses dessins sur son Insta. Une pensée pour Lola Jane qui est au Panama au soleil, qui peut pas être là ce soir avec nous, la pauvre. C'est dur. Alors je pense qu'elle aurait largement préféré être avec nous. T'avais Neftis, moi j'y ai pensé aussi. Pour les tatouages en fait. En référence au fait qu'elle devait designer ou développer un diable stripteaser, on en avait pas mal ri de ça. Elle voulait être la belle, elle a pas pu. Ok, bah je lui ferai un petit bisou. Ça aurait pu. Ok, Neftis, je retiens. Est-ce que c'est un indice déguisé? Ok, allez, vas-y, Kazou, balance, 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 cadence, cadence, cadence. Ça va, vous passez une bonne soirée, c'est cool. Moi, je m'amuse bien, je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop cool. 21 points, mais je sais pas, moi, je compte pas. Hein. Comme mon âge. Non, quoi, là, ça va, en vrai, je vis bien mon âge. 33 ans, j'ai l'âge du Christ. Ça y est, quoi. C'est la consécration. Alors, c'est l'amour que j'ai pour Jésus. On cite du Tony Parker encore une fois, non mais c'est clair. Alors... Quelqu'un avec une cigarette, c'est mal. Pardon. Je lobotomisais. Hop. Est-ce que... arrête, t'as 10 ans de plus que moi, je suis choquée. Ben oui, je suis extrêmement vieille. Et personne ne le sait. Bah si, maintenant tout le monde. C'est un joli nombre 3. Ouais, c'est assez cool. T'as le même âge que mon prof de TD, l'angoisse. Ouais, mais j'ai complètement... Alors j'ai l'âge d'être prof, j'ai l'âge d'être... mère potentiellement. Je ne suis rien de tout ça. Je suis actuellement en train de streamer dans mon canap. Voilà, c'est ça la vie que j'ai décidé de mener. Ah, et encore cette petite musique Louis XVI. On aime beaucoup. Alors, hop. La question que je me pose... Hop. Voilà. Alors attendez, je vous lis. On aime te voir kiffer, vous êtes mignon. Et salut Azrod. J'aurais dû demander une autre photo. Comment ça? Alors... Même à 33 ans, je reste plus jeune que toi. Bah vous dites que ça va être ça toute ta vie, hein. Je serai toujours plus jeune que toi du coup. Cette rigueur du monde, l'âge de lit, la cure de sang de vierge fonctionne. Bah, vu les emmerdes que ça peut m'attirer, ça a plutôt intérêt de fonctionner. Hein. Peut-être que tu vas mourir, qu'on va fonder une religion sur toi et qu'un jour on fera un film, La Nonne, avec Vincent Cassel ressuscité. Ah, quel enfer! Je vais vous hanter jusqu'à la fin de vos jours si vous faites ça. Je suis tellement plus jeune que toi, Neftis.
De toute façon, là, j'en s'en fous. Si on sait pas l'indice, à aucun sens. Sans l'explication, je pensais que Lola était une Québécoise ayant vendu son âme au diable pour un striptease. Mais ça n'aurait aucun sens. Bah oui, mais Mad Monkey, c'est ça la beauté du truc. Ahoy, mateys. This is Stevie Wayne, your nightlight. Tellement plus jeune que moi, peut-être, peut-être pas. C'est une fougère. La question que je me pose maintenant que j'ai réussi à lire mais que fait cette musique Louis XVI au milieu du reste? C'est une très bonne question. C'est une très très bonne question que je me pose également, mais écoute, voilà. La clope, c'est moyen sympa parce que toi tu essayes d'arrêter, mais je... j'essaye d'arrêter, j'ai envie de dire j'arrête complètement, je fume plus du tout, sauf en soirée. Deux ou trois. Donc on peut considérer effectivement que j'ai pas vraiment vraiment arrêté, mais par contre j'ai réduit des trois quarts. Donc, mais ça va en fait, en vrai je m'en fous un peu. Alors le truc c'est que je vais juste me permettre de regarder juste la photo en un peu plus grand. Ok. Pardon, désolée, je reviens. Vous êtes fiers de moi, vous êtes trop mignon. Non mais ça va, c'est cool hein. Faut pas qu'elle voit des films où il y a des fumeurs. Et est-ce qu'on va souvent en soirée? Tu viens plus aux soirées. Elle essaie de choper des indices dans la bagnole. Non, non, mais je... Bah, en fait, j'essaye de choper des indices dans le miroir. Je vais aller travailler, je vais continuer à jouer toute ma vie. Ah, ils fument tous dans le cinéma indien, Neftis. Ah, bravo. Bah, j'ai aucune idée. La regarder de plus près n'a pas changé grand chose. Tu veux pas travailler au tibune? J'avais un petit peu deviné. Azrod, c'est c'est pas du tout le genre de stream habituel. Là, c'est un stream spécial pour mon anniversaire. Et quelques membres de mon Discord ont fait des photos de leurs mains et je dois deviner qui c'est. Voilà. Alors, est-ce que je peux piffer Tea Pudding peut-être? Mais je suis pas sûre qu'elle fume. Je sais pas qui fume en fait. Avant d'avoir un indice en fait. C'est ça? Génial. Trop cool. Écoutez. Bah ouais, mais en fait, c'est le temps de m'échauffer quoi, mais ah ouais, j'ai pas dit que je devine tout après quoi. Tu fumes que dans les bouchons en soirée, tu pudding, mais t'as bien raison. T'as bien raison. Photo Bowie gâteau. Gâteau. Trop bibi. Bah, souris, ouais, après, honnêtement, jusqu'à ce soir, j'étais pas forcément sûre que ça pouvait m'aider potentiellement. En revanche, bah ouais, je sais pas trop. Fumer dans les bouchons, rajouter de la fumée à la fumée, bah ouais. Pas bien de fumer tout de même. C'est trois, enfin c'est trois, c'est 1000 petits points qui font réfléchir. Ben on enchaîne. Le test est positif, Kazumi. Ouais, ben on est à 6, hein. En même temps il y en a 20, donc vas-y, fais péter le reste. On enchaîne, on continue. Oh
Moi, j'étais un peu incrédule sur le truc parce que, encore une fois, effectivement, ça veut pas forcément dire que ça me permet de deviner, mais... Putain, mais c'est chaud, sans savoir en plus qui, enfin... Voilà, genre, Lola Jane, vraiment, c'était chaud parce qu'elle est pas là ce soir, enfin, c'est pas forcément celle qui participe le plus sur le Discord, donc c'est pas évident. Ah, ça met un petit peu de temps. Je suis désolée, ça met un petit peu de temps à se lancer. Enfin, l'image à charger. Je me demande quel pouvoir va me donner mon fétichisme des koalas. À part repérer les peluches de koalas dans les films et séries, c'est ça. Après, faudrait que tu choisisses les plus belles mains de la soirée. Putain, si merde, quoi. Encore un coup, on va me foutre tout le monde à dos. Alors... Il y en a 20, Bernard, je crois. Semer la Discord, semer le Discord. C'est beau, Bernard! Voilà! Encore beaucoup de résolution. Vous êtes balèze? Vos mains sont toutes du même niveau, elles sont dégueulasses. Putain. Est-ce que, autre question que j'avais, est-ce que tout le monde a pris des photos spécialement pour l'occasion ou est-ce que pas forcément? Hop. C'est la question que je me pose, ce beau papier peint, tout à fait, absolument. Hop. Merde, pardon, putain, je suis con. Perso, oui, ok. Faut pas pousser. Non, Bernard, j'ai bien vu que toi, t'avais fait aucun effort. Toi, tu l'as pris exprès. Ok, très bien. Je vois que, voilà, certains font des efforts, pas d'autres. On a tous et tout de très bonnes résolutions. C'est fantastique, c'est très bien. Ok, très bien. C'est juste pour savoir, parce que... Parce que je sais pas en fait, enfin, ça me dit. Moi je l'ai. Juste pour. Ok. Moi j'ai rien fait. Merci Bosdick. On dirait quelqu'un qui a coupé la main d'un autre et l'a prise en photo. Ah, attendez, ça bug. Ah voilà. Arrête, c'est millicutiste. Jean-Louis, tu te calmes. J'ai une idée aussi. Putain, moi j'ai deux idées. Ah, je sais pas. Kazumi, est-ce que c'est toi? C'est pas ça? C'est ça? Cool. C'est trop cool. J'aime bien votre jeu. Bah ouais, mais... Non, pas dans 5 minutes, parce que là, on est qu'à 7, mais... Cette triche de l'au-delà. Alors, attendez, j'ai une autre photo. Ah non. Ah, alors, ah, j'ai une mention dans le Discord, c'est pour ça que ça me fait un petit 1, là.
c'est Lou qui est en train de dire des trucs. Je lirai ça plus tard parce que sinon ça va foutre le bordel. La super Jamie des mains. Bah ouais, c'est cool. Il a une verrue sur le bras où je rêve, me dit Ben. Mais enfin, faut refaire les photos. Bah, je sais pas si j'ai un don, mais arrêtez. Tu dis des conneries, Lou, ok. Collectionneur, changeant, forceur. Ok. Forceur, c'est tellement l'indice de base. On appelle ça le poignet, mais je suis tout à fait d'accord, c'est que moi j'ai pire que ça, j'ai vraiment un os, on le voit, attendez, ouais, voyez, on le voit là, il est tout pointu. Enfin bref, voilà, donc je suis de la team poignet chelou. En plus on s'est fait chier ensemble pour trouver les indices de Kazoo, tout ça pour rien, et ouais. Désolé les gars. Bah on enchaîne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pratique pour le free fight. Je mets des petits coups d'os dans les yeux. Ferez-moi les moyens quand on tombera sur une collègue de main véritable dans son frigo. Et oui, il y a un historique sombre avec ton poignet, Kazumi. Ça sonne bizarre. Donnez pas d'infos sur vos poignets, les gens qui sont pas passés, c'est une astuce, elle essaye de vous piéger. Non. Je vois pas pourquoi vous dites ça. Tu lags, Jamie le cultiste. Est-ce que vous êtes... Enfin, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui lagent également? Bah, on enchaîne. Il y a une autre main. Ah, ça bug. Alors, attends. T'as relancé, c'est cool. Ok. Alors, The Witch. Putain, ta gueule, Bernard. Je vais te péter la gueule. Hop. Ouh, pardon, attendez. On se calme et on lag frais sans tromper. Les mains, ça, allez. Alors là, bah, putain, mais à chaque fois, quoi, je suis vraiment con. L'ambiance à son summum. Au départ, j'étais partie sur une photo de l'autre côté de la main, mais je voulais pas vous traumatiser avec ma cicatrice digne de Gérald, putain, trop bien. Quelle belle plante verte. Une belle plante verte. C'était pour que tu sortes ton petit emoji favori, Bernard. Alors là, ça me dit pas grand chose. C'est une main vieille de con camouflée dans la jungle. De camouflage de ouf. Alors là, je vous avouerai que. Ivre, elle insulte son chat. Parce que j'ai déjà insulté mon chat. J'ai pas besoin d'être ivre pour ça. Toi, t'as un guess, Osmosis? Alors là... Parce que je sais pas... Ah ouais, là... Faut t'aimer les arrière-plans. Bah ouais, arrière-plante. Ah, j'adore l'humour. Euh...
Est-ce que c'est Nissana? Ce saxo de l'amour, c'est clair. Non, c'est pas ça. Ok. Est-ce que j'ai le droit à un indice? Non. Calix, c'était trop dur. Explorateur. Bonsoir Rufio. Explorateur. Alors, encore une fois, du coup, c'est... non, ils sont pas nuls les indices. Calme-toi, Calix. Calix, tu m'as dit qu'il pouvait y avoir 2-3 personnes qui n'étaient pas sur le Discord, c'est ça? Et déjà, est-ce que c'est 2 ou est-ce que c'est 3? Parce que ça me permet trop de savoir. C'est Frédéric Lopez. Le bel indice. Putain. Est-ce que c'est Alt? C'est ça. Je laisse petite direct. C'est ça. Je savais. Trop cool. Non, c'est pas 5 points parce que j'ai eu un indice. Kazou. Ouais, c'est 4 points. Heureusement que, hein. Heureusement que j'essaye pas de gratter. En fait, après j'y ai pensé, mais j'ai vu la couleur du pull et j'ai vu la roulée et du coup ça a fait tilt. Dans ma tête, elle rafle tout. Et vous, c'est dans mon cœur que vous raflez tout. L'organisateur qui suit déjà plus, c'est clair, hein, ça, je pourrais gratter des points ici. Il a adoré le concept, un des premiers à envoyer les photos, trop cool, trop mignon. En même temps, on savait que Dolly était de N Papes, voilà, tout à fait. Bah, je suis... je suis contente de pas... de pas faillir à cette aura. C'est cool, trop cool. Ah, c'est vraiment, c'est trop cool. Vous êtes vraiment trop mignons. Ok, bah du coup, next. Mais c'est vrai que c'est pas facile du coup pour les gens qui sont pas sur le Discord parce que... Quand tu m'as dit ça, Calix, je me suis un petit peu doutée que, qu'il aurait participé. Parce que c'est quand même un peu mon binôme satanique, lui les yeux, moi les mains. Mais du coup, c'est délicat parce que tu sais pas quoi. C'était quoi les autres indices, ouais? J'ai vu la ref de Cartes. Ah! Giger Bosch, c'est ça. Explorateur imaginaire infini, ok, très bien. Ça se tient, c'est legit. Alors là,
Ah, c'était 9. Ah, par contre, Kazu, t'es passé à la 10. J'ai pas eu la 9. Je vais la mettre en 9. Mais il me faudra la 10 après. Sachez que je suis là à claquer des doigts en écoutant la musique, il me manque un cigare et un verre de whisky. Ah non mais grave. C'est bien, hein? On aime bien cette petite ambiance. Il y a eu un contre-temps. Ah, il y a un retournement de situation. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'est dit « Oh là là, elle est trop balèze, je vais changer ma photo, c'est ça ?» Ok. Bah là, je l'ai mis 9, ouais. Il y a quelqu'un qui s'est coupé la main juste pour la photo. Jolie photo encore, ouais, tout à fait. Et encore une fois, ça implique peut-être que ce soit... Est-ce qu'il y aurait un indice? Je ne suis décidément forte que pour trouver les mains. Écoute, Kazu, j'essaye, j'en sais rien. C'est compliqué. C'est compliqué parce que... Ah là, j'ai pas trop d'idées. Est-ce qu'on a déjà... est-ce qu'on a déjà parlé de cartes particulièrement ou de tarot avec quelqu'un? T'as pas trop d'idées, Cartas. Bah, merci de m'aider. Bah, Kazu, je vais essayer quand même de proposer quelque chose sans avoir d'indice. Ça veut dire qu'il y a peut-être encore une ou deux personnes qui sont pas sur le Discord. Et en fait, je crois que ça me pollue le truc. Parce que je me dis, mais... ah oui, alors attendez, effectivement il n'y a plus de musique. Hop, c'est reparti. Parce que j'ai décidé de faire aucun effort. Oula, vous êtes où? Toi tu crois savoir, Bernard, ok. Je sais pas pourquoi j'aurais envie de piffer Calyx, mais sans être convaincu. C'était le seul Scully non officiel, ok. Je vous avouerai que... Et non, mais pourquoi? Non, mais Calyx, là, c'était vraiment basé sur rien en particulier, quoi. Le premier indice, Howard. 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 Howard aux mains d'argent. Moi, ça me fait penser à Howard the Duck, mais... Non, mais ouais, petit Calyx, vraiment, je sais pas. En fait, c'est parce qu'il fallait que je piffe un truc sans indice pour en avoir un, juste histoire de... Voilà, et... Mais sinon...
Et bonsoir Xander. Mais du coup, je sèche un peu. Howard. Howard, enfin. Non mais alors KX, pire que tout quoi. Pourtant c'est évident. Bah du coup tu l'as mes choux. Alors attendez, attends qu'est-ce que je vais quand même essayer de réfléchir un petit peu plus, mais putain, mon cerveau crame quoi. Howard. Dwayne Howard Johnson. Howard quoi. C'est David Hallyday. Faut que tu penses aux gens du Discord qui n'ont pas de corps. Easy. On l'a tous. Non mais arrête KX. Alors attends. Pareil, je re-regarde les gens sur le Discord juste parce qu'il y a probablement peut-être des gens à qui je ne pense pas et... Non, je ne sais pas. Howard. Putain, c'est chaud. Bah non, c'est pas de la triche. Tout est dans les cartes, mais arrêtez. Mais quoi les cartes, arrêtez. Moi je l'ai pas aussi. Non parce que là vous me dites carte, du coup je pense à Cartas, mais ça c'est pas ça. C'est pas Cartas. Weird gage, de quel casse-couille quoi, un displayed. Moi je l'ai pas non plus, c'est juste pour la faire mariner. On est quand même quelqu'un à côté de la plaque. Quelques-uns à côté de la plaque. I bid you welcome. Bonsoir Wireless, merci pour le follow. Je pense qu'il aurait choisi une autre carte. Mais je vois pas les... Enfin... J'essaye de voir les cartes, mais honnêtement, c'est pas... C'est pas Weird Gash? Je sais pas pourquoi... Il te reste quelques indices, Kazumi, ouais, mais... Il faut quand même que j'essaye de deviner. T'as pas fait autant d'efforts pour la tienne. T'es vraiment un bébé, Cartas. Osmosis, t'as rien du tout. Mais là, mais putain, je sèche, c'est chaud. I bid you welcome.
Merci pour le follow, Estile. Le deuxième indice est décédé. Bah, c'est Jimmy. C'est ça? Il faut que tu penses aux gens du Discord qui sont décédés. Trop facile, bah oui. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Très très belle photo, Jamie Lee. Bravo Jean-Louis Cultiste. Mais voilà, décédé, c'était trop facile. Runzi. Oui, quand même. Bah, tu vois, tu m'auras donné du fil à retordre, vieux brigand. Ah ouais, mais alors, Howard, honnêtement, j'étais passée complètement à côté. Hein. Je devais pas forcément être là à ce moment-là, où j'ai pas fait gaffe, mais c'est vraiment, Howard, même en sachant maintenant, ça ne m'évoque rien du tout. Si c'est un indice pour tout le monde, sauf pour moi, bravo. Il manque la brioche vendéenne, c'est clair. Troisième indice, c'était vieux. Trop facile. Mais en même temps, avec décédé, si je trouvais pas... bon. Vieux. Ah ouais, non mais vraiment, non. Pour le coup, c'était pas l'indice... c'était pas l'indice qui aurait fonctionné. Eh ben très cool. On continue. Allez. Kazou, j'attends le reste. Vieux décédé, il y a une thématique. Merci pour cette thématique d'anniversaire. Mais c'est les... Ouais, je sais pas, les cartes... Je sais pas pourquoi j'ai pensé à toi, parce qu'il y a dit que c'est un roman, alors là... Tous tes rêves sont... Ouais, ton ballot, la loue, ouais. T'aurais pu faire un effort, Jean-Louis. Alors... Ah bah, attends, attends, du coup, je vais la renommer 9. Mais on va dire que ce sera la 10 sur mon OBS. Alors... Allez. Allez. Oh là, il est en train de turbiner dans le vide, là. Je suis désolée, hein. Ah, voilà. Ok. Hop. Pourquoi ça veut pas? Ah voilà. Ok. Non, attendez. Oups. Une photo menaçante. Le petit couteau trop mignon. Alors. Quelqu'un a effectivement changé sa photo? Pas bien de prendre des photos du catalogue Ikea. D'emblée, je pif Calyx pour le couteau, parce qu'on dirait un couteau de cuisine et que Calyx cuisine pas mal. C'est ou Calyx ou Méchou pour le côté cuisine. Mais après... Donc d'abord, je dis Calyx. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Pyjama.
Pyjama. Bah là, tu disais que tu reconnaîtrais les mains. Moi, j'ai rien dit du tout. mais là, pyjama direct. Moi, je pense à Lou parce qu'elle avait fait les pyjamas Ken Russell. Mais. C'est pas la troisième fois qu'elle te piffe. C'est la deuxième fois que je piffe Calix. Mais là, c'est parce que... C'est ça? C'est Lou? Mais en fait, le truc, c'est que c'est le couteau de cuisine directement. Moi, j'ai pensé à ceux qui parlent le plus de bouffe. Et oui, mais Chou, en fait, le truc, c'est que tu parles pas énormément de bouffe. Mais à chaque fois que tu parles, tu dis que c'est toi qui l'as préparé. Donc, enfin, t'as l'air d'apprécier ça. Et tu disais justement que t'avais des potes qui passaient chez toi un peu à l'improviste et tout, pour manger et tout, donc je me suis dit que c'était peut-être ça. Mais j'ai même pas fait gaffe en fait, honnêtement, à la main, mais c'est vraiment le couteau qui m'a fait penser, qui m'a fait mal penser. C'était un faux ami. On les a cons, ces pyjamas, putain, c'est clair quoi. Il faut qu'on fasse vraiment un partenariat avec Undies, hein, y a un truc. Pyjama voisine fesse. Fesse, obviously. Tellement obviously. Pourquoi fesse? Parce que Lou aime les fesses. Fesse. Et pourquoi pas? Bah oui, tout à fait. Papess of the Fess. Exactement. Parce qu'elle aime ça. Lou, c'est une butt girl. Qui n'aime pas les fesses aussi? Oui, alors bon. D'ailleurs, prochain live. Ça change des mains. Voilà. Tout le monde a la même idée. Voilà, chacun son kink. On a dit qu'on jugeait pas les kinks. On envoie nos culs pour la nif de Lou. Bah, je vois que tout le monde est d'accord. De hein. Toute façon, en tout cas, pas de soucis là-dessus, quoi. C'est bien. C'est personnel, les fesses. Gogo Gadgeto pour la suivante. Tout à fait, absolument. On continue, on enchaîne. Là, on est à la moitié. On a fait que la moitié, hein. Donc, vous savez, on est large. Hein. Je suis pas... pas si balèze que ça, quoi. C'est pas si facile que ça. Surtout si vous les mettez dans des situations qui peuvent porter à confusion. Alors... Alors, j'ai compté 38 points, c'est vrai? Cool. Tu crois savoir qui c'est, Bernard? Je l'ai, vous la pétez, ouais!
Je vais dépasser Mad Monkey en une soirée. Je vais encore te piffer. Bah oui, Calyx. Je suis pas attendre mon public, bah je regarde. Ah, je sais pas. C'est la fiancée du parquet. Ouais, c'est ça. Ouais, mais... C'est pas la bonne main. Si c'est une main droite. Mais est-ce que... Ce serait une photo inversée? Il faut piffer, bah ouais. Alors en fait, le truc, c'est que le bracelet pourrait me faire penser à quelque chose, mais... Je sais pas. Bah, est-ce qu'il y a... Ouais, non, mais est-ce qu'il y a un filtre? Bah non, mais ce serait possible, parce qu'effectivement, sinon, ça fait bague de fiançailles, mais en même temps, peut-être, on peut avoir une bague comme ça au bon doigt, sans que ce soit forcément... est-ce que c'est Neftis? On a quand même un bout de bras. Est-ce que cette main est posée sur le parquet? Est-ce que quelqu'un fait le poirier et prend une photo en même temps? Improbable. C'est pas toi. Ok. C'est parce que avec le bracelet, je me suis dit... Bretagne. Est-ce que ce serait Nef? Parce que Bretagne, c'est à ça que ça me fait penser. Enfin... C'est ça? Cool. Ok. Très bien. Mais ouais. Mais je sais pas si elle est toujours là d'ailleurs, Nef. Je l'ai vue tout à l'heure, mais j'étais pas sûre. Pirate. Paris et troisième Néphilim. Non mais Néphilim, c'est pas c'est pas un indice. C'était trop facile. Next, allez, on enchaîne. C'est parti. C'est parce qu'en fait le petit bracelet, on aurait dit un peu des scarabées et tout, et c'est pour ça que j'ai pensé à toi, Neftis, parce que Égypte, scarabée, tout ça. Voilà. Je fais ce que je peux. Le premier pif est toujours compliqué, quoi. Vite, 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 la vieille veut aller dormir. Putain, Nissana, tu te calmes, quoi. Alors là... Thank you.
Hop. Je suis désolée, hein, c'est un peu lent. Alors, 12, voilà. Ah, ça s'est mis dans ce sens-là. Bon. Elle n'était pas dans ce sens-là quand on me l'a envoyé, mais elle s'est mise dans ce sens-là. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne change pas grand-chose. Un doigt, c'est E.T. C'est ça. Alors qu'une arnaque moldavo-malgache s'établit pour les indices. Comment? Pourquoi? Ah quoi? Vous êtes en train de changer les indices? Ah, je trouve pas ça très correct, hein. De s'adapter en fonction de moi, déjà changer les photos, changer les indices, je trouve que c'est pas très fair play. Des heures pour faire une photo, choisir le bon angle et ça change pas grand chose alors qu'elle est toute inversée. Bah, je suis désolée, enfin, je peux peut-être la changer. Si. Voilà. Heureusement que tu me préviens. Bah ouais, c'est clair. Quelle petite balance, ce weird gash. N'empêche que je suis quand même assez d'accord que je trouve pas ça très correct. Voilà. C'est comme si je changeais les screens en cours de route. Voilà. Alors. Du coup, je sais pas. On note la présence d'acrobates, c'est ça, tout à fait. Cette personne est en train de se faire fouiller par les flics. Putain, c'est clair, là j'ai aucune idée, quoi. J'ai aucune idée. Regarde bien les arrière-plans. Ta gueule. Je suis mauvaise, weird gash. Alors là... J'ai même pas... Je vais encore piffer Calyx. Ça va être ma caverne de la rose d'or, en fait, Calyx. Non, je sais pas. Ta gueule, Bernard, va devenir un nouvel emote. Elle est très épurée. Le premier indice est champion et non pas champignon. Champion? Trois fois. Mais non, mais Calyx, j'ai pas dit. Tu es ma caverne de la rose d'or. Bah oui. Et l'autre, il râle, quoi. Je lui fais un compliment, mais... Champion? Est-ce que ce serait Mad Monkey, du coup? J'ai une théorie, c'est que quand on lui fait plaisir, elle manifeste une réaction en émettant du mépris.
La meuf est complètement pétée, quoi. Elle est pas habilitée à avoir des relations sociales. C'est Mad Monkey. Bien sûr. C'est notre champion. Toi aussi, des fois, tu te demandes quelle tête on a. Tout le monde se demande. Tu aurais dit que j'étais ton El Santo versus Blue Demon. Bah. Je suis désolée, mais la caverne de la Rose d'Or passe vraiment au premier parmi tout ce qui a été le plus piffé au monde. Les indices de Mad Monkey étaient champion sapiens, point. Mais nos mains s'accordent quand même avec la tête que tu... Ah oui, la tête que tu nous imagines. Mais Lou, j'ai l'impression qu'elle s'imagine des trucs et elle rêve tout. Enfin, j'allais dire, elle rêve de nous. Moi, elle sait la tête que j'ai, donc du coup, il n'y a pas grand-chose au niveau challenge, mais... C'est fou. Je trouve ça génial. Mais c'est pour ça, c'est normal que tout le monde se demande la tête qu'on a. Kazoo, tu peux envoyer la prochaine. Alors attendez, je vais en profiter pour aller faire pipi. ne m'en veuillez pas. Mais hop, alors attendez, je reviens. Voilà, alors, désolé. Hop. À partir du moment, c'est que des photos de Calyx. Alors, qu'est-ce que vous avez dit? Laissez-moi. Mugzilla fait son effet, non mais c'est clair, quoi. Tu peux pas boire des litres et des litres sans qu'à un moment donné, on soit faillible. Voilà. Vous êtes tous uniques et complètement loufoques dans mon crâne, c'est clair. Vous êtes tous... bizarre. Renvoie la première, elle verra pas. Alors attendez, je vais quand même choper la photo. Ça, je pense que je sais qui c'est. Ça bug. Beaucoup trop de résolution sur cette photo, c'est pour ça. Voilà. Je suis désolée. Ok, voilà. Prends sa dose de sang de vierge, mais... Non mais Mad Monkey, je t'invite à tester, boire dans Mugzilla et éventuellement tenir après. Voilà. Et une fois que t'auras testé ça, on en reparlera. Voilà. Alors là, résolution de foufou. Encore beaucoup de violence dans le format de cette photo.
Voilà. Hop là. Hop. Voilà. Il y a des indices en fond. Alors, hop. Qu'est-ce que vous dites? Vous racontez de la merde? Je sens que vous racontez de la merde. Je trouve qu'elle a changé depuis qu'elle a pris ses 41 ans. Ah, vous me déglinguez, j'en ai marre de vous. Est-ce que c'est Neftis? Salut Nsibuno, bienvenue. Je sais pas si tu connais les principes des lives. Je pense que t'es nouveau, je t'ai jamais vu. C'est David Guetta. Oh, mais là c'était facile. Mais non, mais... Ça va quelque chose de changer les indices, c'est clair quoi. Je peux vous la laisser plus longtemps la photo si vous voulez. C'est un débrief, c'est ça, ouais, tout à fait, Nsibuno. Je sais pas si t'as vu le film. Les indices étaient évidemment Goth, Égypte, Inde. Ah, cimère quoi. Et c'était quoi la deuxième série d'indices du coup? C'était quoi la. Enfin, parce que du coup, si ça a été changé. Je serais curieuse de savoir ce qui était prévu initialement. Enfin, ou en deuxième, puisque manifestement vous avez opté pour la première solution. On n'a pas changé. Ah, ok. C'était pour me tromper, c'est ça? C'est pas... C'est pas très chic. Marseille au lieu d'Égypte. Ok. Oui, alors, bon... Que c'est, là, ça aurait été presque trop facile. Et ben, go pour le prochain. Allez, j'attends. Allez. On y perd selon moi, mais ça n'engage que moi. De toute façon, il n'y aura pas eu besoin des indices, donc... Ah mais ça je sais qui c'est aussi. Enfin je pense. Mais c'est bien. On peut pas jouer avec toi. La meuf est trop relou, quoi. C'est Cartes. Attendez, je la mets mieux. C'est ça? C'est ça ou pas? Cartes, il a des mains de bébé. Chien, ennui, Tarkovski. Pourquoi ennui? Parce que Tarkovski, bon, obviously. Mais... Ok. Il dit même pas si lui balance direct les indices. Dans la thématique, pas au niveau qualitatif. Ouais.
ça faisait... Parce que du coup, ça faisait un peu genre... voilà, bon, clairement, le mec, on se fait chier avec lui, hein. Ça se voit que je suis un bébé. C'est clair. C'est pas une main, c'est un facehugger, mais c'est clair, quoi. Et pourquoi chien? Parce que c'est son avatar. Il a un chien sur son avatar. Sa pépé, voilà comme on dit. Ok, et eh ben, go. On enchaîne. Ah merde, c'est un chien, la révélation, quoi. Le plus beau des chiens, d'ailleurs, comment s'appelle ce chien? Tu vas nous dire que ce chien s'appelle Cartès aussi, alors à ce moment-là, mindfuck total. Deux chiens sur le Discord, Calyx et Cartès. Le plus beau des chiens qui se prend un frisbee dans les couilles, ok. Ouais, putain, bien joué, petit pudding. Il est où le... Il est où le prochain... Elle est où la prochaine main, Kazoo? Ce chien s'appelle photo random sur mon bébé. Le lapsus, putain, Cartas, ça y est. Tu vois, t'y prends goût. Il y aura un replay back Xander, je vais sans doute le mettre, ouais, je sais pas si ça peut intéresser grand monde, mais je le remettrai, ouais. Le Discord veut des mains. Tu peux le latter sur Twitch. Putain, mais Bernard, t'es trop violent, quoi. Ça fait des souvenirs au Kenisana. Non, mais je le mettrai sans doute sur YouTube. Il faut conserver et partager ce live. D'ailleurs, j'ai... Est-ce que j'ai mis... Non, je crois pas que j'ai mis le stream sur The Bridge. Tout le monde en a chié. Dollywood a demandé à ce que Discord bloque tous les messages que nos robots hamsters à peu près... Ah! À peu près précis, trouve explicite. Il semble que ce soit le cas, donc votre message n'a pas été envoyé. Hein? Mais what? Mais genre en message privé. Mais comment comment c'est possible? Comment c'est possible? Putain merde. Je croyais que c'était un message... Ok. Je sais pas comment faire ça, moi, du coup. Ah oui, pour prévenir les dick pics, sans doute. Ok. Alors, attends. Et c'est... Je pense que c'est possible que ce soit parce que tu m'envoies des trucs et que je réponds pas. Il doit se dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Tu la smash, ouais, alors ça va être un peu galère, quoi, mais réessaye juste sur le Discord, là. Smasher une photo, ouais, non, c'est ça. On va se calmer, quoi. Ça marche toujours pas, la Kazoo?
C'est reparti pour un tour de playlist. Voilà, c'est bon. Rien à faire. Alors attends. Attends, j'essaye de... Ah, tu l'as smashé. Putain. Ah ouais, mais bon, heureusement, il nous en reste pas tant que ça, mais enfin, il nous en reste quand même 6. Alors. Ça va être un peu casse-couille juste pour une photo, mais... Ah! Alors, est-ce que je peux pas... Ah si, je peux faire comme ça. Là, il a pris 15. Hop. Alors, c'est bon, je l'ai. Tu te lèves à 5h30, Calix, putain. Je suis désolée. Ok. Ça ne soit là. Tout à fait. Il y a eu un travail là absolument incroyable. Alors. Ah non mais je l'ai. Non non, c'était pas c'était pas du tout dans le sens je sais. Mais c'était plus en mode j'ai réussi à la télécharger. Le désolé, le plus bel écouille que j'ai jamais vu. Je suis étonnée que personne n'ait fait de vanne de mettre un pied. Une photo prise avec la bouche, c'est clair. C'est Mais non, mais je m'en bats pas les couilles, mais c'est... qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Je sais pas. Ah, c'est compliqué. Non mais désolé Cartas. Enfin je c'est très premier degré quand je suis concentrée. C'est compliqué. Merde, pardon. Je suis désolée, j'étais en train de chercher mon coussin. Et il était par terre. C'est clair, pour une fois que c'est pas toi le premier degré, c'est clair. Alors attendez, hop, je me positionne juste un petit peu mieux pour mon dos. Alors là, j'avoue. Je m'échappe, mais c'est pour mieux revenir une autre fois, ok. Merci Lou, c'est très cool que tu sois passé en tout cas. Merci d'avoir joué le jeu. Spoiler, l'une des deux mains m'appartient. Super, Weird Gash. Alors. Mais il n'y a pas d'indice, elle cache quelque chose, cette main supérieure. Est-ce que c'est deux mains différentes?
Comment la photo a été prise? Alors ça veut dire que c'est quelqu'un qui a éventuellement quelqu'un d'autre sous la main pour l'aider à prendre des photos. Bon, potentiellement on peut avoir tous quelqu'un sous la main pour ça. Mais... putain, je suis désolée, je vais encore te piffer, Calyx. Parce que j'ai le droit. Mais ouais. Je dirais Calyx. C'est pas ça? C'est vraiment ma caverne de la rose d'or. Hein. Mais non! J'arrête pas! Non! J'ai dit! Mais c'est ça ou pas? C'est pas ça? Ah, c'était ça! Indiana Connard Curry. Connard. Mais en fait, c'est la, le noir et blanc de la photo. Et effectivement, l'alliance. Qui m'ont mis sur le sur la voie. Cet indice, quoi, connard. Maintenant, je peux plus piffer Calyx, mais c'est pas une mauvaise chose. Parce que comme ça, au moins, on est tranquille. Mais là, pour le coup, ouais. J'aurais réussi à avoir 5 points grâce à Calyx. Le noir et blanc et l'alliance, pas du tout les mains de Daron. C'est ça. Et la deuxième personne, du coup. La suite, ouais. La suite. Je sais pas pourquoi mon ordi fait des trucs chelous. Bisous, Annecy. Merci d'être passée, c'était cool. Merci pour ta photo de qualité. Qui sera le deuxième pif après Calyx? Mais ouais, c'est ça, alors là... Question, quoi. Merci, Yonsi Buno. Alors, c'est une très jolie photo. Mais alors? Mais alors? Alors... Bonne soirée, Jiben. Merci d'être passé, c'est cool. T'es con, Cartes. Je peux avoir un indice, connard. Bah oh, tu vas te calmer. Mais non, c'est pas... Mais je suis désolée. Il y a des photos qui sont travaillées différemment. Je devrais rien dire, vous êtes vraiment des bébés, quoi. Y a pas que Cartes. Et c'est qui ton préféré? Et t'as dit qu'il était joli et moi pas. Putain, mais merde, hein. C'est vrai que c'était violent, Calyx. Quand j'y repense. On est une armée de bébés, mais c'est ça. Hop. C'est ça, préparez-moi bien à la maternité, hein. N'arrêtez jamais, parce que pour le moment, c'est pas tellement en voie de... d'arriver. Voilà. Hop.
stream sponsor Kadum, c'est clair quoi. C'est rose comme si cette main était dans la caverne de la rose d'or, c'est ça tout à fait incroyable. Pourquoi je te compare. Je t'ai pas comparé à Brigitte Bardot? Je t'ai comparé à Brigitte Bardot. C'est dans le débris de la montagne sacrée pour mon anniversaire. En plus, je reste blessée à vie. Alors. Ah, bébé! Ok, d'accord. Oh là, j'y étais pas. Tu vas trop loin, Kazumi. Alors, comme ça, en fait, avec les couleurs, moi, j'aurais tendance à piffer Dorian. Je ne saurais vous dire pourquoi. Mais enfin en fait c'est mon guess. C'est mon premier pif sans indice. Bébé, c'est vraiment une des meilleures insultes que je connaisse. Tu vois, parce que c'est pas insultant, enfin c'est pas, tu vois. Mais ça fonctionne. Le premier indice va me plaire. Ok. Le cul de Gérald, bassino sphérical. C'est ça? Est-ce que c'est ça? C'est ça? Mais dites-moi, parce que putain, je suis en train de... Je suis dans le doute. Ok. Sim legit. Mais en fait, j'y ai pensé aussi, mais encore une fois, lié aux couleurs également. J'ai qui le sorceleur? Mais les couleurs étaient un sacré indice. Mais c'est une très belle photo, ne sphéricole. Elle est très cool. GG. Y a pas de défi pour toi. Ça, je vous connais trop bien. Bah, à force. Et oui. L'indice aurait pu être baignoire aussi, en fait. D'ailleurs, ne sphéricole, je tiens quand même à dire qu'on a parlé à plusieurs reprises de GG et que je n'ai pas vu popper cette photo de GG dans le bain. Donc, il va falloir que tu te rattrapes. Oui, c'est ça. J'attends la réponse comme un enfant attend le Père Noël. Non, mais c'est clair, parce que tant qu'on me confirme pas, enfin, moi je doute encore. Est-ce que j'ai les points? Donnez-moi les points. Ouais, très jolie couleur. Allez, c'est parti, on enchaîne. Je veux une autre photo, sachant qu'il nous en reste 4. Là, c'est ça, c'est oui. Non. 3. Hein? Non, 4. Tu comptes plus les... Bah ouais, mais si, comptez les points, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai 100 millions de points. Vais-je avoir la PlayStation à Noël? À PlayStation! Donnez-moi la PlayStation! Moi, bon, je m'en fous de la PlayStation, mais donnez-moi Red Dead! Donnez-moi ce putain d'hélico, les gars! Alors! Ah, ça me fait un joli petit fichier avec plein de photos de mains, c'est fantastique! Oula! Alors, attendez. PlayStation, ça que je veux.
Alors. On joue à FIFA. Enfin, non, surtout pas. Alors. Ouais, on est sur une recrudescence de la double main. Je vois un zizi en bas à gauche. Nissana, t'imagines l'angoisse. Couple ou photo de bouche? Photo de bouche? J'imagine, tu sais, la photo avec le miroir, avec le reflet, tu sais, bah dommage quoi, le mec est à poil. Franchement, il y a des trucs comme ça des fois sur le bon coin. Alors autant des fois, je pense que c'est fait exprès, autant des fois, je sais pas, ouais, tu te balades à poil chez toi, tu prends la photo en mode, oh tiens, je vais mettre ces petites baskets à vendre sur le bon coin. Et là, bim! Voilà. Je sais pas, peut-être que je suis naïve. Prise avec la bouche, ok, d'accord. Bah couple, on n'a pas de couple sur le Discord. Enfin, pas que je sache. Et en même temps, c'est un peu à ça que j'ai pensé en voyant la photo. Cette anecdote de mon coin, c'est clair. Mais je me dis que c'est peut-être fait exprès. J'ai toutes vos vies. Ben non, mais... ou duo, ben je sais pas. Ouais, là c'est compliqué parce que... duo, carré ou cash. Petit pudding et weird gage en couple sur le Discord. Non mais si, enfin les gens... Les gens sont... Les gens peuvent être en couple. Mais... Osmosis ? C'est ça? Cool. Du coup, en fait, j'étais en short. Tellement ma meilleure go, quoi. Meilleur go, mais tellement easy quoi. En fait, du coup, j'ai pensé couple et je me suis dit, ah. C'est la top de Marwan qui prend la photo. Oh merde! Le mec il a un selfie stick à la place de la top quoi. Ça va en même temps, c'est pratique, mais ça doit pas être pratique dans toutes les situations. Trop cool. Ah là là. Meilleur go. Elle est flex. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de savoir. Ah là là. Ok, on enchaîne. Allez. Cadreuse de l'art, c'est clair. La séquelle de Tensuo qu'on veut tous et toutes voir, c'est clair. Pisser avec un selfie stick, ça va être compliqué. Non, mais je pense qu'il y a plein de situations dans lesquelles c'est pas ouf ouf en fait. Non, mais voilà, c'est bon. On est quand même d'accord de dire que c'est un peu une mauvaise idée. Alors...
T'as l'impression d'être un peu décalé, Kazu? Bah écoute, je sais pas si t'es le seul. Top 5 des situations à voir un selfie-stick à la place de la bite, c'est gênant. Vous me fatiguez. Ah, alors attendez, je suis pas complètement OP. Voilà. Même quand on débriefe pas de film, on parle de tub. C'est un sujet, effectivement, sur lequel on a beaucoup de choses à dire, manifestement. Oh là, je l'ai mis un peu petit, là. Ok. Ceci n'est pas une main. Ouh, bah alors là. Encore une main qui se prend pour un pied, c'est clair. Je pense que c'est Calyx. Est-ce que ce serait Calyx? Je pense que c'est Ramirez. C'est toujours Ramirez de toute façon, Bostik. Dans le doute, c'est toujours Ramirez. Qui a pas eu encore qui reste du coup? Bah ouais, parce que là il en reste 3 avec celle-là. Tout le monde n'a pas participé, mais je sais pas qui a participé. Enfin, c'est compliqué en fait, parce que là du coup il reste 3 personnes et enfin. Je suis peut-être un connard, mais de là envoyer 2 photos. Mais alors surtout 2 photos avec des mains qui se ressemblent pas du tout, quoi. Oui, il reste du monde, Nissana. Mais oui, il reste du monde. Mais justement, c'est ça le truc, en fait. C'est que... Qui a participé, qui a pas participé, ou... Enfin, tu vois. Ça fait encore plein de possibilités, mais du coup, c'est pas pour autant que c'est plus facile. Là, il n'y a pas beaucoup d'indices sur cette photo en plus. Heureux Xander. Filtre. non, je sais pas, je piffe qui. Je vais repiffer mes choux, je crois. Il reste 70 personnes du Discord. Ouais, je sais pas pourquoi, mais je partirai là-dessus. Bon, après, de toute façon, c'est une belle main. Mais non, c'est pas toi. Mais mes choux, je sais pas pourquoi je pense à toi. En fait, je sais pas pourquoi. Ah bah c'est Xander. Ce serait ça, Buffy? C'est clair, t'es à ton deuxième piffage, ouais, carrément. Calme-toi, Cartas. Bon, voilà. En plus, comme je l'ai vu revenir, je me suis dit...
va trouver de meilleurs indices. En même temps. Bisous Bobo, bonne nuit. C'était cool de te revoir. On n'avait pas dit autre chose en premier comme indice. Putain, vous êtes pas mis d'accord. Permis et Barker, ok. Il y aurait pu y avoir un indice avec le prénom aussi. Ça te fait quelque chose à chaque fois qu'on parle de Buffy? Ok. On avait dit pas les fesses. C'était quoi l'indice que t'avais en tête, toi, Xander? Est-ce que j'aurais trouvé avec cet indice-là aussi? Baronesse comme indice, je pense que j'aurais trouvé aussi. Je suis pas... Enfin, ouais. J'aurais su. Très bien. Et ben, voilà. Avant-dernière photo. Ouais, on approche de la fin. Il est 23h29, hein, mine de rien. Ça fait 2h30 qu'on y est. Attention, ça spoil. Ça spoil. 78 points. Cool. Ça spoil. C'est le stream. Oh là là, on va bien se calmer. J'aurais pas 100 points, donc pas de cadeau. Ouais, bah heureusement pour vous, parce que je sais que vous n'en avez pas prévu. Ça va, faites pas genre, hein. Alors. C'est fort zoomu. Ouais. Voilà. Alors. Juste que tout le monde le sait pas. Alors ça veut dire que c'est un indice sur l'occupation de la personne qui a pris la photo. Est-ce que... Je veux pas savoir ce que c'est. Bah si, là je le dis, je veux savoir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Ça ne peut pas être ce que je pense que c'est. Alors attendez. Oula, tout est en train de bugger. Ouh! Attendez. Je suis désolée, hein. Et je pense que c'est pour ça que ça lag, parce que... mon ordi est pas bien veillant, là. J'ai l'impression qu'il est en train de surchauffer. Je suis désolée, je vous vois pas. Je vois pas du tout ce que vous êtes en train de dire. Ce que j'essaye de savoir, c'est ce qu'est le flacon qui est à côté de l'évier. Non, mais ça peut pas être un truc. Ça peut pas être un truc absolument dégueulasse quand même. Faut pas déconner. quand même.
Je sais pas. Oh, alors attendez. Je vois... Ah aussi, c'est complètement en train de laguer chez moi. En fait, je vois... Je vois... attendez, je vais refresh... Twitch parce que là, ça bug complet. Alors, je suis désolée, j'ai pas du tout vu ce que vous avez dit. Mon chat a freeze, en fait, sur Twitch. Donc, je vous vois, en fait, parler sur OBS, mais je vous vois plus sur... Je vous vois plus sur Twitch. Alors attendez. Putain, ouais, chez moi ça bug de ouf. Ça bug de ouf. Heureusement je peux vous suivre sur OBS, mais c'est pas idéal. Sur le live, on voit les messages de Dolly. Ouais. Mais j'aime. Attendez, je suis désolée. Hein. Là, du coup, ça, j'attends juste que Twitch se relance parce que. C'est trop bizarre. Je suis vraiment désolée. Bon, je suis contente que ça n'arrive que vers la fin parce que ça aurait été un peu relou sinon. Ah la vache, mais ça bug de ouf. Tout est de la faute de cette photo maudite, c'est clair. Ah ouais, ouais, là, c'est en train de me demander d'attendre, en fait. Il me demande de réfléchir. Enfin, il me dit, genre, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez relancer cette page? Vous voulez pas tout couper et relancer? Voilà, bah, ouais, mais non. On va dire que des trucs trop cringe sur cette photo, c'est clair. C'est chelou. Désolée. Ils ont trouvé que je diffusais du contenu pour adultes? Mais non. Mais non. C'est pas possible que ce soit ça. Mais vous m'entendez toujours quand même. Enfin, ça... Putain, je suis désolée. Je suis vraiment navrée. Oh, vous m'entendez nickel, ok. Mais en fait, le truc, c'est que c'est chiant parce que si je suis obligée de regarder le chat et je peux pas remonter en fait en le regardant sur OBS comme ça, donc. Et l'image est bonne. Bon, bah écoutez, au pire, on va finir comme ça. Hein. C'est juste que c'est pas pratique, quoi, parce que si vous participez trop vite, moi, j'aurais pas le temps de tout lire. C'est le fait de parler de perche, j'ai dit, voilà, c'est ça. Dès qu'on parle de bite, manifestement, ça ne fonctionne pas. Putain, mais c'est compliqué, ça. Alors, attendez. Je vais faire un autre truc. Je vais couper et recommencer. Oh, activer le slow mode. Je ne sais pas où je suis censée faire ça. Ah oui, tu veux dire, ouais, enfin, sur le chat, bah ouais, mais non, enfin... Ça a l'air de revenir, là. Écoutez, ça a l'air de remarcher. Ah bah si, c'est bon, ça a l'air de remarcher.
Si ça bug à chaque fois que ça parle de bite, il va falloir arrêter les streams, ouais, c'est clair. Non, désolé pour cette interlude, c'était relou. Du coup, alors là par contre, j'ai pas d'idée pour la main. J'ai pas d'idée pour la main. Bah indice du coup, ouais, vas-y balance l'indice parce que là j'avoue que... Je ne sais pas. Le premier indice de cette main est drone du bon gros son sale pour une main pour une bonne main bien sale. C'est un indice très long. Drone. Est-ce que... Ça y est, Kazumi craque. Il y a un personnel de merde qui m'a foutu dans la merde. On n'évoque pas l'album de Muse. Bon, on n'évoque pas Muse, hein, de toute façon. Drone. Drone. Pourquoi est-ce que je pense à Nissana? Est-ce que c'est Nissana? C'est ça? Cool. Mais en fait, j'aurais presque, j'aurais encore une fois presque dû piffer dès le premier coup parce que je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça aussi. Parce que, est-ce que ce serait les sciences ou un truc comme ça ou un truc rapport avec le fait que tu te lèves mes mains parce que tu fais des expériences ou des trucs comme ça. Je sais pas si c'est ça mais... J'ai pas de niaiserie. J'en vois un au commun avec quelqu'un d'autre et je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas très étonnée. Avec du feu dans les mains. Oh, pourquoi la musique s'arrête? Oh, ça bug, c'est en train de bugger. On va remettre là, peut-être que ça va mieux marcher. Voilà. D'accord, c'est juste une blague céleste avec une référence poêlante. Ok, très bien, bah écoute, voilà. Eh ben c'est bien. D'accord, ok, ça n'a aucun rapport. Ok, très bien. Bon, moi je sais pas pourquoi j'essaye de trouver des rapports au truc. Ok, très bien. Eh ben écoutez, on enchaîne avec le dernier. Déjà. Cette photo a été décidée dans la soirée, putain, mais c'est intense, hein.
Alors là, ça peut potentiellement spoiler, mais j'imagine que ça spoil pas forcément parce que c'est peut-être pas quelque chose qu'on sait. Ben, je sais pas, moi, alors du coup. C'est compliqué. Ah, la musique a définitivement décidé de merder, en fait. Je suis désolée. Hop. Je sais pas qui fait ces jolies choses au pinceau. C'est compliqué. Attendez, je regarde juste la musique parce que c'est embêtant quand même cette histoire. Je suis désolée, hein, c'est un peu décousu. Qui fait ça? Qui fait ça? Je crois pas que ce soit forcément quelqu'un qui nous en a déjà parlé. Bah non, c'est pas toi, Bernard. Encore de la japonaiserie. Non, mais je sais que c'est pas vous. Cette photo de Weeb. Ah, putain. Alors là. Tout le monde est sacrément agile avec sa bouche quand même, c'est clair. C'est clair. Avec sa bouche ou autre chose, hein, parce que manifestement, il n'y avait pas que des mains dans l'histoire, donc... ah, je sais pas, là, j'avoue, je sèche en plus. Alors là, c'est vrai que... Enfin, 23h46, je vous cache pas que... Si seulement Dolly savait lire. Bah oui, mais je ne sais pas. Avec la deuxième bouche alien, sauf que c'est un selfie stick, ce serait bien. Il est marqué Cartas en kanji. Il écrit qu'Alix est un connard. Apprenez-moi des choses que je ne sais pas. Kanji, Jirak, voilà, bien joué. Merci Bernard. Bernard est au taquet. Excusez-moi. Alors là, j'avoue que... je peux pas... Je sais pas si je peux piffer mes choux, parce que je sais même pas s'il a envoyé une photo. Parce que depuis le début, ça, c'est... mon fast pif avec Galix. Mais en fait, je sais même pas s'il a envoyé une photo, si ça se trouve, non. Parce que là, sinon, étant donné que je l'ai piffé tout du long, ce serait quand même assez légitime de reproposer. Mais je sais pas s'il fait ça. Oh, je suis. Je ne sais pas. Je sais pas si c'est une bonne idée. Euh...
c'est compliqué de pas savoir qui a participé, parce que, bon, en même temps, ça risquerait d'être trop facile sur la fin, parce que ça ferait des espèces de petits pelotons qui s'amenuiseraient progressivement, mais... Donc je comprends pourquoi vous m'avez pas donné les indices. C'est pas un pseudo écrit en vrai. Est-ce qu'on peut savoir ce qui est écrit ? Est-ce pas, pas dans le sens ce qui a écrit, mais... est-ce que... Enfin... Est-ce que c'est écrit quelque chose ? Est-ce que c'est écrit un indice ? Enfin, est-ce que c'est écrit ? Enfin, bref, vous m'avez compris. Ça y est, je commence à fatiguer. Au début, il y a un H. Bien joué, Jimmy Cultiste. Je vois que t'es à peu près aussi balèze que moi. Qui Qui Bernard Ménez en breton. Bah du coup je réessaye encore mes choux parce que j'ai pas d'idée et que et qu'il y a pas de raison que je le piffe pas jusqu'à la fin. Et comme ça, ça me fait quand même quelque chose de piffé pour avoir un indice. J'ai piffé absolument tout le monde, ouais, c'est ça. Tu n'es que pifferie, mes choux, bravo. Mais c'est ça ? Non, c'est pas ça. C'est ça ? Cool. J'aurais réussi à la voir. Je me disais aussi, j'étais sûre que t'avais participé, donc ça m'aurait étonné. Ça aurait été quand même tellement con que je te piffe tout du long et qu'à la fin j'arrive même pas à savoir que c'était toi. Est-ce qu'il y a écrit mes choux ? C'est ça, qu'est-ce qu'il y a écrit d'ailleurs ? Je savais pas que tu faisais ça, c'est super joli. Très joli. Bah ouais, c'était cool. C'était vachement cool, merci. C'était trop bien. Vraiment, c'était trop cool. Alors, ce sont les kanji de rêve et été. Ok. Une des... Ah, pour le prénom Yuna, c'est très classe. Mes choux, c'est trop cool. Très, très chic. En tout cas, merci à vous, c'était trop bien. C'était trop, trop cool. Il en reste encore... Hein ? Il reste encore quelqu'un ? Un artiste. J'ai peur. Qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui... Que quoi ? Oui, mes choux, c'est à choux. Putain, Jimmy, le mec qui débarque. Ça va être une dick pic, je suis sûre. Putain. Eh là là. La petite surprise. C'est quoi ?
Ah, Discord qui redick pic. Merde. C'est bizarre parce que ce serait par tronçon de combien, non? Bien sûr que je suis un peu inquiète, je... la surprise, c'est ça. Non, mais là, du coup, il y a le suspense, parce que ça marche pas. Je suis désolée, hein, je... C'est un petit peu chiant, Discord, pour ça. Enfin, c'est un petit peu chiant. Ah bah non, on est parti sur un smash. Alors, je pense que mon ordi commence à... Mais qui a fait ça? Je suis pas censée deviner là de toute façon, si. Alors attendez. Je vous la mets parce que quand même. C'est pour ça que vous n'étiez pas d'accord sur le nombre de photos. Faut deviner. Méga titre. Faut que je devine. Mais vous êtes mignon, mais est-ce que c'est M le maudit? Eh, dis donc, c'est incroyable. Mais alors du coup, si c'est un bonus, si c'est à part, ça veut dire que c'est particulier. Est-ce que c'est quelqu'un qui est quand même sur le Discord ou pas? Parce que du coup... Alors moi je l'ai pas. Mathieu Chédid. Parce que... Non, faut que je te dise... Non mais oui, je sais que c'est ce que j'ai fait. Mais je sais pas pourquoi est-ce qu'il est à part, en fait. C'est ça qui me fait poser la question. Quelqu'un d'absent, mais qui est en fait présent. Kazou, super, quoi. Mais bah... Quelqu'un d'absent, qui est en fait présent. Celui dont on voulait faire un vieux dessin de main. L'hologramme de Tupac. C'est Johnny? Est-ce que c'est Johnny? Parce que même s'il est mort, il est toujours avec nous. Non, mais je... je sais pas, Christopher Lee. Putain. C'est le random du Stunfest. C'est Elvis. Oh, mon petit chat. Bah oui. Je suis désolée, il vient me faire des câlins. Il est là, je sais pas si vous pouvez le voir. Regarde Elvis.
T'es pas content du tout d'être là. Voilà. Je sais pas, parce que je sens que c'est à part. Et je sens que il y a un truc. Du coup, je vais peut-être prendre un indice. La trône, non, mais c'est clair, le mec est pas du tout content, quoi. Il m'y reste à côté quand même, hein. Peut-être qu'il est pas content de se montrer à la caméra, mais par contre, il reste me coller. C'est tellement le plus mignon. C'est à part sans être à part. Je te donne la vraie signification du M. Marcel. Mais, parce que là, moi, directement, je pense à Marcel Patulacci. Et du coup, je pense à Weird Gash. Mais en plus, ça pourrait être le W de Weird Gash à l'envers. Tout se recoupe, c'est incroyable. M le Marcel. Mais elle est chauffe, Marcel. C'est ça. Le maudit. GG. Elle est crasse. Tu vois, j'arrive même pas à dire des choses gentilles de toi. Elle est classe, cette photo. Trop cool. Ah bah voilà, bah parfait. Il devait pas être là ce soir, il est là, fantastique, j'ai l'impression d'être dans une émission de Patrick Sabatier, quoi. Il ne devait pas être là ce soir, et finalement, il a fait le déplacement depuis Gif-sur-Yvette. Catalyseur et Berserk. Mais oui, j'ai failli dire crasse, mais en fait, elle est classe quand même, je le dis. Ouais, c'est clair, c'est tellement notre maudit, quoi. Trop cool. Trop bien, ben parfait. Vous avez été sensationnel. Vous avez été magnifique. Vous avez été inventif. Vous avez été taquin. Mais c'était vraiment, vraiment super cool. Ouais, on va se coucher, Calix. On va faire ça. On a un guest prestigieux. N'arrête pas le stream, mais non. Il est venu de Las Vegas dans son hélicoptère spécialement pour cette émission. Mais donne-moi l'hélicoptère, putain. C'est sûrement l'année prochaine. Combien j'ai de points? Je veux savoir. Je veux savoir combien j'ai de points. Non, il y a vraiment un autre guest. Mais non. Julien C, l'homme dont il ne faut pas prononcer le nom. C'est vrai, tu déconnes pas. Ça suffit. Bah, go. Alors que revoilà Louis XVI, c'est clair. Louis Croix et bâton. Coupe le stream avant la fin. Bah, je sais pas, là, du coup... Je déconne pas quand je parle de prestige, j'aimerais avoir un guest pareil. On a réussi à avoir Godzilla. Alors là, ça va pas être trop compliqué pour deviner. Bah non, mais... Mais un guest, enfin... Sa main ou quelqu'un qui va venir sur le live ou... Dites-moi, je ne sais plus, il est minuit 2 maintenant. Je ne comprends plus ce qui se passe. Mais qu'est-ce donc? Ahoy, mateys. Mais... Stevie Wayne, your nightlight. C'est Souris qui fait ça? Stevie, Antonio Bay, California, is on the air. Est-ce que c'est ça? Lined up some tunes to help you celebrate the 100th birthday of Antonio Bay. So, let's get down to business.
Bah, elles sont magnifiques, ces mains. C'est toi, souris, qui fait ça? C'est magnifique. Alors, attendez, bougez pas. Oui, oui, je vous mets l'image, mais elle est magnifique. J'étais en train de bugger devant. Magnifique. C'est le bonus. Je bite plus rien à l'histoire. Non, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors bon, bah déjà, je vous laisse apprécier la qualité des mains. Voilà. Et puis, je vais vous mettre l'image en grand. Hop. Mais non, mais c'est un dessin. Tu l'as fait exprès, souris? Mais non. Je vous la mets... Enfin, en fait, je vais pas vous la mettre sur le layout. J'ai envie que vous la voyez en grand. J'ai envie de vous zoomer... j'ai envie... Je trouve ça tout petit. Du coup, c'est un peu tristoun qu'on puisse pas voir. Alors, attendez. On va faire comme ça. Tu l'as fait exprès? Mais non. Regardez comme c'est beau. Le doré et tout, c'est juste magnifique. Je vous laisse... c'est le mieux que je puisse faire. J'ai commencé il y a quelques semaines, c'est pour ça que le stream a été décalé à dimanche. Mais non. Ah, mais c'est trop bien. Mais j'hallucine en fait. Je suis proprement en train d'halluciner. Waouh. C'est la classe. Ah ouais, c'est magnifique. Vraiment, tu fais vraiment un taf de ouf. Je pense qu'on est vraiment tous d'accord pour le dire. C'est fantastique. Voilà, j'ai vraiment pas envie de... J'ai vraiment pas envie de le mettre dans le layout, en fait, parce que, bah, je suis désolée, ça cache un petit peu. On va le mettre plutôt comme ça. Faut pas que ça cache le chat, mais c'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau. Ah ouais, non, mais grave, moi, je suis trop en train de l'halluciner. Je suis genre, ok. D'accord, donc voilà, les gens n'ont pas de... Les gens n'ont pas de limite au niveau du talent, quoi. Clairement, on a décidé de... Voilà. C'est trop beau, voilà. C'est trop beau. C'est trop cool, je trouve ça trop bien. Vous avez été parfait. Vous avez été fantastique. Voilà, bravo, bravo à vous. Parce que bah, j'ai pas fait grand chose, moi. Hein. En fait, au final, j'ai rien fait. À part deviner, mais... des larmes. De... C'est ça. Je vais faire un petit discours. Non, mais en vrai, c'est trop cool, quoi, parce que je vous vois préparer ça, évoquer ça depuis un moment, et je m'attendais pas à ce que ce soit si cool, en fait. Enfin, je savais que ça allait être bien et tout, parce que c'est vous qui le faites et que vous êtes cool, vous êtes chic. Mais honnêtement, vraiment, c'était trop cool, quoi. Je me disais, 20 images, peut-être que ça va être long, peut-être que je vais en chier et tout. Et franchement... Bah en fait, non quoi, c'est passé crème. Parce que une soirée en votre compagnie est forcément une soirée réussie. Voilà. Il reste du péteux. Putain de Gemini quoi. Oh le vieux tonton bourré quoi. mais ouais, merci Kazumi, t'as été au top. T'as géré ça comme un chef. Chiqué, j'ai dit chic. Chiqué, ça veut rien dire. Mais ouais, Kazumi, GG. Vraiment, c'était trop cool. Tu vois, ça l'a fait finalement. Pas de raison de stresser. Tout va bien. Tout s'est déroulé sans accroc. Voilà. Franchement, il n'y a pas eu de quoi à part Discord qui décide de se chier dessus parce que il pense que tu m'envoies des photos de bites à répétition. Mais, mais sorti de ça. Franchement, ça s'est passé tout smooth, quoi. C'est hyper cool. C'était trop bien.
Je suis trop contente. C'était le meilleur cadeau. Tu comprends un peu mieux le King des mains. Eh oui. Je ne m'en lasse pas. C'est très cool. Ça ne m'aura pas du tout dégoûté. Voilà. Et trop contente. Et voilà. Et du coup, je vais garder mon petit pactole de points pour me la péter. Et bonne nuit, Koala. Bah, je vais vous laisser, moi aussi, hein, finalement. Je vais vous laisser vaquer à vos occupations. De toute façon, on va se retrouver sur le Discord dans à peu près 12 secondes. Mince, maintenant, on sait qu'on peut pas t'envoyer plus de 10 dick pics sur Discord. Voilà, Cartas, c'est une très bonne chose. Sachant que à la première, je pète déjà des gueules. Ça vous a fait plaisir? Ben non, mais c'est cool, en tout cas. Vraiment, vous avez été super chou. Mais bonne nuit, ouais, bonne nuit. C'est toi qui as le plus de points sur le Discord, c'est clair. Quand le débrief de Polymagou, et en fait, je sais pas, Osmosis. Non, mais en vrai, il va falloir le faire. Sauf qu'en fait, il y aura pas de stream la semaine prochaine parce que je suis dans ma famille, en fait. Je pars mercredi, enfin voilà, donc ça va être galère. Je rentre le dimanche, donc pas de stream le dimanche soir parce que non. Genre la veille de la rentrée et tout, non. Donc ce sera après. Ouais, donc dans 2 semaines en fait. Ouais, après on va essayer de retrouver un rythme à peu près, voilà, mais c'est juste là pendant mes vacances, honnêtement, c'était pas gérable. J'aurais bien fait un double feature, un truc comme ça, mais non. On va juste se faire Polymagou, ben ouais, du coup, pas dimanche prochain, mais dimanche d'après. Probablement un Screening Skull, pas mardi là, mais mardi d'après. De toute façon, je vous retiens au courant sur Twitter et sur le Discord, hein, y a pas de soucis. Profite de ces vacances, meilleure idée. Oui, c'est ce que je fais de mieux. Ouais, Polymagou, l'éternel repoussé. Ben sinon, ça aurait pu être aujourd'hui, hein, mais autre chose était prévue. Voilà, on profitera encore plus du débrief. Tout à fait. En tout cas, je vous fais des bisous. Je vous remercie encore vraiment profondément. C'était trop cool. C'était vraiment trop bien. Vous êtes trop chou. Vous êtes trop mignon. Vous avez grave géré. on va juste se faire Polymagou. Et ouais, merci encore. Bonne nuit. Désolée de vous avoir gardé si tard. Vous voyez, ça a fait quand même un bon stream. Et puis,